Elle est garée comme une vraie bordelaise. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous regarde pas trop parce que je suis sur la route, mais bienvenue dans le vlog numéro 8. Désolée, je suis perdue. Bienvenue dans le vlog numéro 9. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me parle particulièrement en ce moment. Ce n'est autre que le thème de la persévérance, parce que je vais pas vous mentir, 19h20 et on commence tout juste le vlog. On va vivre un super moment, on va se dépenser à la salle de sport et on va kiffer ensemble. Jingle. Wouh, bienvenue dans Fast and Furious, à bord de la Super Zoé. Zoé, bichette. 400 km d'autonomie. Où est-ce qu'on est déjà allé en zozo? Sur la lune? Non, presque. En Hollande, on a fait Bordeaux-Hollande en Zoé. C'est flou, comment on fait? Mise à jour. Ah, c'est là-haut. C'est pas possible ça. Regarde, c'est un petit zoom. Yes. Zoom, juste là, yeah. Là, tu vois. C'est une vidéo sponsorisée. D'ailleurs, on attend que tu sponsorises, hein, parce que... Faut faire rentrer les croquettes. Hein. Tatiana, est-ce que t'es prête à tout donner, là? J'en fais une sieste. Non. On a dit la sieste était en juillet, ok? Quand je vous dis que cette fille est bordelaise, elle est garée comme une vraie bordelaise. Il pleut. Je veux pas mouiller ma caméra. Non. Après, elle me dit non, mais t'en as pas besoin de la du parapluie. Elle vient se vautrer dessous. Bienvenue à la salle. Bonjour, vous allez bien? Le ciel est couleur pamplemousse. Hey, le ciel est couleur pamplemousse. Nous avons eu un blessé. Hey, le ciel est couleur pamplemousse. La persévérance est très liée au fait de pouvoir aller au bout des choses. En fait, c'est comme si genre ton cerveau tu bloques et tu te dis non, bah en fait je vais pas réfléchir en mode en fonction de la douleur ou de la difficulté, mais juste je vais m'accrocher en me disant mon projet, ce que je veux faire, ça vaut la peine. Quoi qu'il arrive, je vais prendre l'aventure et je vais y aller quoi. Donc là on a un cas très concret, on va faire du sport. Le sport ça fait mal, le sport c'est pas agréable sur le coup, mais par contre si on persévère, on aura des résultats. On n'a rien sans rien et tout ce qu'on veut faire en fait, si on veut avoir du résultat, il va falloir fournir les efforts adéquats pour ça. I don't do the most but I do a lot. I'ma make a toast cause we still alive. Si tu devais donner une raison aux gens de persévérer, ce serait quoi? Tu commences, finir. Et si jamais t'as pas fini parce que X ou Y raison, toujours faut prendre des expériences pour commencer autre chose et persévérer dans l'autre chose. Moi si je devais vous donner une raison de persévérer, je vous dirais tout simplement que la personne que vous allez être dans 5 ans vous dira merci. Quel que soit en fait le domaine dans lequel vous êtes, peut-être que vous voulez persévérer parce que c'est dur peut-être de passer du temps dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est dur de persévérer par rapport à un projet, un rêve. Peut-être qu'en ce moment t'es en train de faire tes études et c'est super difficile. Mais pense à la personne que tu seras dans 5 ans et souviens-toi de ce que toi t'aimerais lui dire en fait, ou de ce que cette personne-là te dirait à toi aujourd'hui. No big, I feel like Pac, I shoot a shot. I'm coming in. Persévère. Souffle. On en fait à peu près 10. 3 fois 10. Out à côté. Et bah alors mon petit poulet, t'es déjà cassé. Bienvenue dans mon complexe sportif. Voilà, vous avez vu hier la salle à manger, la terrasse, la cuisine. Nous sommes actuellement dans mon sous-sol avec le complexe sportif de la Daily House. Venons nous entraîner avec Tatiana sur le thème de la persévérance. Allez, reste. Abonnez-vous. La persévérance, c'est l'oxygène de la réussite. Oh Tatiana, j'ai dit une phrase trop bien. Bon les amis, je suis avec le meilleur coach du monde, de la Terre entière, de la galaxie.
Nourri. Juste ici. Alors Nourri, si tu devais donner peut-être un encouragement ou une définition de ce que c'est que la persévérance pour toi, tu dirais quoi? Pour moi la persévérance c'est la résilience. La résilience c'est de prendre chaque épreuve comme une manière de prouver son courage. Et abonnez-vous, c'est quoi ton Instagram? Nourri.san. Et c'est une fin de séance pour nous. On a tout donné, hein. J'espère que vous avez été encouragés les amis. Comme on vous le dit, la persévérance, c'est vraiment quelque chose qui a la capacité de nous emmener loin. Hey, on est de retour à la maison. Je vais pas vous mentir, j'ai mangé une pizza. Ah. Pour ma défense, c'était une pizza aux légumes. Aujourd'hui, c'était une sacrée journée. Il y a tellement de fois où on aurait envie d'abandonner. Enfin, moi, dans ma vie, en tout cas, il y a tellement de fois où j'aurais eu envie de laisser tomber, hein, franchement, que ce soit par rapport à mes réseaux sociaux, que ce soit par rapport aux études, etc. Et je regrette pas en fait d'avoir persévéré. Quand je suis arrivée dans la ville de Bordeaux en 2023 avec mon mari, mes réseaux sociaux en fait ils décollaient pas du tout, c'était un peu la mer morte, la stagnation. Et j'étais super découragée parce que bah, j'ai toujours rêvé de faire ce métier, j'ai toujours rêvé d'être influenceuse, d'être sur les réseaux sociaux, de créer du contenu, de partager mes valeurs et tout. Et de voir que ça marchait pas en fait, c'était juste terrible pour moi parce que, bah, comme je l'ai dit dans mon post Instagram du jour, j'avais vraiment l'impression que tout le monde avait son talent, tout le monde avait un petit peu sa passion et moi j'avais juste mon désir en fait de parler de Jésus et d'encourager les gens et de le faire avec spontanéité, fun et créativité. Plus vite, ça suffit. Tu casses le moment émotion là. Et je regrette pas parce que si j'avais pas persévéré, si j'avais pas posté la énième vidéo, si j'avais pas accepté en fait d'échouer avant de réussir, ce qui est aussi une bonne thématique de vidéo, bah en fait on serait pas en train de faire des vlogs en août. Genre un challenge où je fais une vidéo par jour. Et j'aime bien cette image en fait du monsieur avec la pioche là, ça passait beaucoup sur Insta et Facebook à un moment donné. Et en fait c'est un petit monsieur, il pioche et dans une des cases en fait il arrête de piocher et juste derrière en fait ben il y a un trésor. Et dans la deuxième en fait c'est ben, qu'est-ce qui se serait passé s'il avait fait le coup de pioche en plus et il aurait découvert un trésor de diamant. Et dans la vie je trouve que c'est un peu pareil, on sait pas ce qui nous attend derrière le énième coup de pioche qu'on va donner, mais moi je crois que si chaque coup de pioche est impulsé par l'amour de Dieu, si chaque coup de pioche est vraiment conduit par le Saint-Esprit, ben en fait on va être tellement surpris. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Vous avez le bisou de plume juste ici. Ciel est couleur pamplemousse et le ciel est couleur